العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، alors cette semaine inshallah ta'ala on va essayer d'aborder un thème extrêmement important. Après avoir parlé des piliers de la foi, on va inshallah ta'ala parler du cœur. Et le sujet du cœur est un sujet extrêmement important. Et donc l'assise d'aujourd'hui, inshallah, aura pour titre avec quel cœur on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question a pour objectif de nous interpeller et de se faire un bilan, une autocritique sur la situation de notre cœur. Aujourd'hui, malheureusement, on remarque que chez certaines personnes qui ont une pratique religieuse ancienne, ils ont tendance à considérer que ces thèmes-là sont destinés pour les nouveaux convertis, les nouveaux repentis. Quand on parle de ce qu'on appelle al-raqa'iq, dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre sur justement al-raqa'iq, ma yuraqqaqu bihi al-qalb, des informations qui ont pour objectif d'adoucir le cœur, d'exhorter le cœur. Et c'est pourquoi on constate que chez certaines personnes connues pour leur pratique religieuse depuis des années, on constate cette sécheresse spirituelle. Et cette sécheresse spirituelle, elle est due à ce sentiment d'autosuffisance, comme si en fait c'est que les nouveaux musulmans, les nouveaux repentis qui ont besoin de rappel, que lui, étant donné que ça fait 10 ans il est dans la religion ou qu'il connaît le Coran par cœur, que c'est un ancien, comme on dit, et bien du coup, ces sujets-là, ça ne le concerne pas. Que les rappels, ça concerne plutôt les nouveaux qui viennent de commencer, etc. Et ça, c'est une erreur. D'ailleurs, c'est pourquoi ces mêmes personnes-là, ils aimeraient bien retrouver l'engouement qu'ils avaient au début de leur islam. Ils aimeraient bien, apprécier la prière comme ils l'ont apprécié les premiers mois quand ils ont commencé à prier. Ils aimeraient bien apprécier la fraternité de voir des frères et de parler avec des frères et de partager des rappels comme ils l'avaient apprécié les premiers moments de leur repentir, n'est-ce pas? Donc tu vois bien qu'en fait, en réfléchissant, on peut voir les lacunes. Et on peut voir qu'en fait, on est tombé dans le piège de l'auto-satisfaction. Alors que les grands savants, les grands pieux prédécesseurs, ils avaient besoin de rappel. Ils avaient besoin d'être exhortés. Parce que tout croyant a besoin de rappel. Nous sommes des humains. Et comme on va le voir, le cœur est une créature étrange. D'ailleurs, même son nom en arabe, le cœur, c'est le qalb. Et les ulama, ils te disent que innama summiya al qalb qalban li kathrati taqallubihi. Que le cœur a été appelé cœur, il a été nommé ainsi à cause de ses retournements. Et il est nommé cœur à cause de ses retournements. Li'annahu yataqallab. Il se retourne, il bascule. Parce que le cœur, il est écartelé par des tendances, par des influences. Et comme Shaitan, il connaît l'importance du cœur, et ses attaques, Shaitan, par l'ouswas, elles visent directement le cœur. Min sharri al-waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinas. Allah, il a appelé Shaitan khannas. Qul a'oudhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur
du Seigneur des hommes. Berabbin Nas, Malikin Nas, le roi des hommes. Ilahin Nas, le Dieu des hommes. Min sherril waswasi al-khannas, contre le mal de celui qui insuffle, chuchote. Waswas al-khannas, qui fuit. Parce que quand Allah il est évoqué, chacun y fuit. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Donc, c'est pourquoi, comme je l'ai dit, ce thème-là est vraiment un thème extrêmement, extrêmement important. C'est vraiment une science très, très utile. D'ailleurs, on a des athars comme ça, où les savants, tu vois, ils avaient l'ordre des priorités et ils valorisaient ces sciences-là. Ikrima était un homme de science, élève d'Ibn Abbas, parmi les tabi'in. Ikrima, il était soucieux de ne pas donner la science à n'importe qui. Il disait « La tu'allimu l'ilma illa liman yu'ti thamana » Ne donnez pas cette science, n'accordez ou ne prodiguez cette science qu'à ceux qui donnent son prix. Ils ont dit « C'est quoi son prix ?» Il leur a dit « Yada'u al-alimu inda man ya'malu bih » Que le savant, il doit donner cette science à celui qui va la mettre en application. Sufyan al-Thawri, il dit que, en expliquant cette parole-là, il dit que si tu vois un étudiant qui cherche à amasser des connaissances et à augmenter ses connaissances sans se soucier de la mise en pratique, il dit, sache que c'est comme un arbre, plus on l'arrose et plus il donne des fruits amers. Tu vois ? C'est que plus tu apprends et tu n'appliques pas, en plus, plus tu es en train de multiplier les arguments d'Allah sur toi. Il y avait un tabi'i, souvent il posait des questions à Aïcha. Aïcha lui a dit, mais est-ce que tu as appliqué toutes les réponses que je t'ai données précédemment? Il lui a dit non. Elle lui a dit, Ya Bounay, mon fils, elle lui a dit, pourquoi tu augmentes les preuves et les arguments d'Allah sur toi? Al-ilmu, c'est soit une preuve en ta faveur, soit c'est un argument hein, qui est contre toi. Et ce qui va justement te donner conscience de la valeur de cette science et de son importance, c'est l'effet qu'elle va avoir sur ton cœur. Parce que le cœur, c'est le lieu de la foi, c'est le lieu de la connaissance. Et c'est pourquoi il doit être surveillé. La pire des choses, c'est que ton cœur soit mort. On doit se soucier de la mort de nos cœurs plus que de la mort de nos corps. Un jour, un homme, Ibn Warsah Ibn Abdillah, il lui a dit à un voleur qui est rentré chez moi, il m'a volé toutes mes affaires. Il lui a dit, remercie Allah que c'est pas Shaytan qui est rentré dans ton cœur pour le corrompre. Parce que ça, c'est la véritable perdition, tu vois. Ça, c'est la véritable perdition. Et quand on parle du cœur, bien évidemment, nous ne parlons pas de cet organe, de ce morceau de chair hein, qui se trouve dans la poitrine du côté gauche. Parce que ce cœur-là, les animaux et les morts, ils en possèdent aussi. Et quand on parle du cœur, on parle d'une réalité spirituelle. On parle de quelque chose qui est un mystère. Quelque chose qui appartient du monde du mystère. C'est pourquoi ce cœur-là, il est étranger dans ce monde. Et sa nourriture, elle n'est pas dans ce monde. La nourriture du cœur, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas la terre. La nourriture du corps, c'est la terre, oui. Le corps se nourrit de terre. Si tu veux que ton corps il soit frais, il soit bien, en forme, dynamique, musclé, avec plein de vitamines, hein, tu le nourris de la même matière que lui. Ce qui surgit de la terre va alimenter le corps. Par contre, ce cœur, cette vérité spirituelle, sa nourriture, elle est ailleurs. Sa nourriture, elle est dans la révélation. C'est pourquoi on va voir que le cœur a été créé pour aimer Allah. Le cœur a été créé pour vénérer Allah. Quand le cœur, il va se détacher de son divin, il souffrira. Il sera prisonnier. Prisonnier du bas monde,
prisonnier des désirs interdits. Il sera prisonnier. C'est pour ça qu'Allah dit Inna al-abrar la fi na'im wa inna al-fujjar la fi jahim. Abrar fi na'im da'iman fi dunya wal qabr wal akhira. Les abrar vivent la jouissance dans la dunya, dans le qabr et dans l'akhira. C'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna mal-ghina, ghina, al-nafs. La véritable richesse, c'est la richesse du cœur. Alors, quand on parle du cœur et de son importance, on a énormément d'arguments. Et on va commencer par citer ces arguments-là, de l'importance du cœur et comment il faut vraiment qu'on soit conscient, mes frères et mes sœurs, que les adorations du cœur sont plus importantes que les adorations du corps. Et que les péchés du cœur sont plus graves que les péchés du corps. Ibn Hajar, il a écrit un livre sur les grands péchés qu'il a intitulé Az-Zawajir. Nous, c'est vrai que le livre le plus connu, le plus célèbre sur les grands péchés, c'est celui de Zahabi, Al-Kaba'ir. Il en a cité à peu près 70. Mais il y en a d'autres savants qui ont écrit sur les grands péchés, notamment Ibn Hajar. Ibn Hajar, les Kaba'ir, il en a cité au moins 300. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit dans ce livre-là? Il dit que les péchés du cœur comme la jalousie, etc., ils sont plus graves que les péchés du corps comme le fait de consommer d'alcool. T'as vu, ça c'est une information, quand tu vas la lire déjà, t'es surpris. Parce que nous, quelqu'un qui boit de l'alcool, on voit, ah, tu bois de l'alcool, Harry. C'est vrai, c'est grave, c'est un grand péché. Mais est-ce qu'on a la même réaction d'une personne qui a de l'orgueil? Et pourtant, l'orgueil, c'est un truc qui est dans le cœur. Mais il y a des gens, subhanallah, ils sont tellement orgueilleux que l'orgueil, il est même visible dans leur manière, je ne dis pas de parler, leur manière de marcher. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Il y a des gens, ils sont tellement arrogants, ils n'ont même pas besoin de parler pour apercevoir et constater la quantité considérable de leur ego. Alors là, s'ils commencent à parler, laisse tomber. C'est dégoûtant, tu vois. C'est vraiment... c'est Allah al-Musta'an, tu vois. Et donc, tu vois, pourquoi est-ce que c'est plus grave? Déjà, il faut savoir une chose. C'est que déjà, les péchés du... Pourquoi les péchés du cœur ont une conséquence plus néfaste sur toi que les péchés du corps? Et de plus, c'est difficile de s'en défaire. C'est plus difficile de réparer les erreurs du cœur que de réparer les erreurs du corps. Il faut être conscient de cela. Tu n'as pas un contrôle total de ton cœur comme c'est le cas de ton corps. Aujourd'hui, vous êtes venu faire prière de Dhuhr. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Quand on se donne la peine et quand on s'impose d'aller à la mosquée, on peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et on peut rester pendant un dars, pendant 40 minutes, une heure à écouter. Mais avoir le recueillement, est-ce que c'est aussi accessible que de ramener son corps à la mosquée de l'Ihsan? Non, c'est pas aussi accessible. Le recueillement, c'est un don divin, tu vois. T'as beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, c'est pas pour autant que tu vas vivre une prière pleine de recueillement, pleine de concentration. Une prière où tu as vraiment ce sentiment d'être un privilégié, d'être dans un entretien intime avec Allah Azza wa Jal, et tu souhaites que l'imam y prolonge encore un peu plus les prosternations, et tu sors de la prière différent, avec le cœur rafraîchi, avec de nouvelles ambitions, attendant avec impatience la prière suivante. C'est pas tout le monde qui a ça. D'ailleurs, c'est pourquoi tellement on parle de l'importance de la science des cœurs, tellement elle est importante et tellement elle a de la valeur, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la première chose qui disparaîtra de cette communauté, c'est quoi? Awwal ma yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khushu'. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qui sera retirée, la première chose que Allah va retirer de cette communauté, c'est le khushu', c'est le recueillement. Et la dernière chose, c'est la prière. Parce que s'il n'y a pas la prière, il n'y a plus de din.
Il n'y a plus de religion. Donc, les ulama, justement, quand ils ont expliqué ce hadith-là, ils ont rappelé que le khushu' fait partie parmi les adorations du cœur. Et que parmi les premières choses qui seront perdues, c'est quoi? C'est une adoration du cœur. Donc vous voyez bien qu'on ne parle pas dans le vide. Hein. C'est que vraiment, on est en train de parler à partir de textes authentiques. Là, j'ai cité un hadith. Je peux vous citer un verset, mais explicite, mais qui parle à tout le monde. Clair et net. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni l'argent, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à son Seigneur ayant un cœur saint. قَلْبٍ سَلِيمٍ, un cœur saint. Saint, c'est-à-dire qu'il est dépouillé de shirk. Et le shirk le plus dangereux, c'est le shirk qui est caché, comme on parlera de shirk caché. Al-shirk al-khafi, qui est l'ostentation. Un cœur qui est à l'abri de ces maladies extrêmement dangereuses. Parce que tu sais, les maladies du cœur, pourquoi sont dangereuses? Parce que les maladies du cœur, lorsqu'elles s'installent, elles vont générer plein de maux. Tu sais, parfois, toi, il y a des maladies, tu as mal quelque part. Le problème, il est juste sur cet organe-là, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais parfois, il y a une maladie, si tu ne la soignes pas, elle va avoir des conséquences sur d'autres organes, tu vois. Et elle va impacter tout ton corps, toute ta santé. Et par exemple, je ne sais pas, tu as un problème de dent. Tu vois, tu dis, oh, mais c'est rien, c'est qu'une dent. Tu peux avoir des problèmes de cœur à cause d'une dent. Nous, on connaît des gens, ils ont eu des problèmes cardiaques. À cause de quoi? Parce qu'une dent mal soignée. Il a eu des problèmes cardiaques. Tu te dis, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'imagine les conséquences. Hein, les conséquences, lorsque tu laisses ton cœur, hein, il est habité par des vices. Des vices. Inna al-hasada ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. La jalousie, elle brûle les bonnes actions. Elle dévore les bonnes actions comme le feu, il brûle le bois. Hadith qu'Ibn Hajar a rendu bon. Et ce qui également montre l'importance de ce sujet, de sa subtilité, de son importance, c'est que les actions du cœur, en même temps qu'ils sont très importants, également ils sont très subtils et très cachés. À un tel point où les maladies du cœur, c'est difficile de les reconnaître et de les identifier. C'est que souvent, en fait, tu es contaminé, mais tu ne le sais pas. Tu es contaminé, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi il y a un savant, il a donné cet exemple de quelqu'un qui a une blessure, tu vois, qui a un aft ou une blessure quelque part sur son corps. Et un abcès. Quelqu'un, il a un abcès. Il a un abcès quelque part, d'accord? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore gratté. Hein, il n'a pas encore gratté là où il y a l'abcès, tu vois. Donc, fais pas attention. Fais pas attention. Pourtant, il a l'abcès. Et à l'intérieur de cet abcès, il y a du pu. Alors qu'en vérité, il est malade. Il faut qu'il le soigne. Mais lui, il ne le sent pas encore. C'est le jour où on va gratter, on va toucher, que la douleur, elle va se réveiller. Tu vois? Eh bien, c'est pareil pour les maladies du cœur. Peut-être des gens, ils ont de l'hypocrisie, ils ont de la jalousie. Mais tant qu'il est dans le confort de la vie, tu vois, ça ne se voit pas. Parce qu'il est dans la routine, tu vois. Boulot, dodo, les amis, il est là, tu vois. Il est dans sa routine de tous les jours. Mais le jour où il y aura des turbulences dans sa vie, et on voit des gens, frère, ils tuent des gens, ils te les jettent dans je sais pas où. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je dis, comment il est arrivé à là? Peut-être même lui, il entend quelqu'un ou il entend une histoire similaire à ce qu'il va faire dans quelques mois, il va dire, wesh, il est malade lui ou quoi? Il a fait ça, t'es sérieux? Wesh! Sa tête, elle était où? Et en fait, il ne se rendait pas compte, mais lui, il était capable de faire ça.
Seulement, il était insouciant de sa propre situation. C'est ça qui fait, c'est que quand tu ne donnes pas de l'importance aux exercices spirituels, c'est qu'en fait, tu es manipulé par tes propres maladies. C'est que la maladie de ton cœur, elle te manipule. Tu es manipulé. Tu es manipulé. En fait, tu es dans l'illusion. Tu es trompé. J'ai aimé la parole de Zahabi quand il parlait des gens qui cherchent à juger les autres. Il a dit, Wallah. Il a dit, par Allah. On a du mal à connaître notre propre intention. Comment quelqu'un peut prétendre connaître l'intention d'autrui? Il a dit, moi, j'ai du mal à sonder ma niya. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à 100% que j'ai été sincère. On a dit à l'imam Ahmed, vous connaissez Ahmed ibn Hanbal, le professeur de Bukhari, l'élève de Shafi'i, fondateur d'une école connue, Al-Hanabila. Ahmed, on l'appelle imam ou Ahl-Sunna ou Al-Jama'a. C'est-à-dire que c'est une référence en termes de piété, en termes de ilm et en termes de courage. C'était Rasulallahu Mawaqif, Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, il connaissait 1 million de hadiths. Tu vois, 1 million de hadiths. Quand on dit 1 million, ça veut dire, parce qu'il n'y a pas 1 million de hadiths, mais ça veut dire un hadith, il connaissait plusieurs chaînes de transmission d'un hadith. C'est-à-dire un hadith, il pouvait te citer une vingtaine, une trentaine de chaînes de transmission différentes. Hadith. Et là, il dit, je ne peux pas dire que j'ai appris la science du hadith pour Allah. Je ne peux pas vous dire que j'ai appris la science du hadith pour Allah, mais c'est une science que j'ai aimée. Est-ce que vous entendez un peu les propos? Tu sais, Ahmed ibn Hanbal, il a écrit le Musnad. Musnad, c'est un livre volumineux. Là. Il y a plus de hadith que dans le Bukhari et dans la Tab'a qui a été édité. La dernière de Shu'aib al-Arnaout, là, il y a au moins 20, plus de 25 volumes, tu vois. Il dit, il n'y a pas un hadith que je n'ai pas, il n'y a pas un hadith que j'ai placé dans ce livre sans l'avoir pratiqué au moins une fois. Un tel point, dans le Mousnad, là, il rapporte un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijama et il a donné un dirham pour le hajjam. Et bien, l'imam Ahmed, il est parti faire le hijama et il a donné un dirham pour celui qui lui a fait le hijama. Juste pour mettre en application ce hadith-là. Parce qu'il s'est donné comme promesse qu'à chaque fois que je mets un hadith, je l'applique au moins une fois dans ma vie. Et bien lui, il dit à ses élèves, il leur dit, je ne peux pas vous dire que cette science-là, je l'ai appris pour Allah, mais c'est une science que j'ai aimée, que j'ai appréciée. Quand les gens, ils parlaient beaucoup de bien sur lui, Ahmed, surtout quand il a patienté face à la fitna de Khalq al-Qur'an, il n'a pas cédé hein, à la pression du gouverneur Abbaside al-Ma'moun qui avait contraint tous les savants à dire que le Coran il est créé, sinon il les mettait en prison. La plupart des savants, ils ont craqué. Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini qui est le prof de Bukhari. Bukhari dit, jamais mes yeux m'ont vu un homme comme Ali ibn al-Madini. Mais il avait peur pour lui. Il savait que c'était la prison, la torture. Il a dit, le Coran il est créé, mais dans son cœur il n'y croyait pas. Le Coran il est incréé. Mais, par contrainte. Ahmed ibn Hanbal, rien. Il n'a pas voulu. Et donc, je ne te raconte pas. Va lire sa biographie, la vie difficile qu'il a eue. Hein. Pour manger, etc. Il a passé plusieurs mois en prison, il a été fouetté. Donc après, bien évidemment, à la mort de Ma'moun, il y avait un autre hakim, il est venu, il a donné une liberté à Ahmed ibn Hanbal. Et Ahmed ibn Hanbal, je te hira amro, tu vois. C'est devenu quelqu'un, quand il marchait en fait, tu vois, il n'y avait plus de place dans les rues, tu vois, tellement les gens étaient derrière lui. Les gens, tu vois, Ahmed ibn Hanbal, tu vois. Par exemple, tu vois, il y avait l'histoire de Baqi ibn Mikhled. Baqi ibn Mikhled, lui, c'est celui qui a écrit, qui a recensé le plus de hadith. Il a écrit un musnad, on l'appelle musnad ou Baqiya. C'est le musnad qui contient le plus de hadith, mais il est perdu. On ne l'a jamais retrouvé. Baqi ibn Mikhled, c'était un homme qui vivait en Andalousie. Il est parti jusqu'en Irak pour apprendre la science du hadith. Quand il est arrivé là-bas, il a appris qu'Ahmed ibn Hanbal était sous résidence surveillée. Il n'avait pas le droit de sortir de chez lui.
Il va et il tape chez lui. Il lui dit, tu viens d'où? Il lui dit, de loin. Il lui dit, Ifriqiya. Ifriqiya, à l'époque, c'est la Tunisie. Il a dit, là, voilà un nahr, abada min dhalik, plus loin. Il a dit, tu viens de loin? Mais, comme tu le sais, tu connais ma situation. Je n'ai pas le droit d'aller à la mosquée, je n'ai pas le droit d'enseigner. Mais tellement cet homme-là, Baqiyya ibn Mikhlad, il était motivé, il a proposé à Ahmed ibn Hanbal, il lui a dit, je viens tous les jours à toi en faisant semblant que je suis un mendiant. Je demande du pain, tu me fais rentrer chez toi, tu me donnes quelques hadiths et je sors. Et les gardes, là, les policiers là, qui sont en face de chez toi, ils ne vont rien voir. Il a accepté. Et donc tous les jours, il venait, Al-Khobzo yarhamukum Allah, Al-Khobzo yarhamukum Allah, Al-Khob. Ahmed lui dit, rentre. Les gardes, ils ne disaient rien. Il rentrait, il lui donnait un hadith, deux, trois, quatre, il ressortait. Et il a continué comme ça pendant très longtemps. Toi. Jusqu'au jour où, quand là, qu'il est mort, le Mamoun, l'imam Ahmed, quand il a repris les cours à la mosquée, il n'y avait plus aucune place. Tu vois. Mais il était rempli d'étudiants qui venaient de partout. Et Ahmed, avant de commencer le cours, il leur dit, Aïna Baqiyya. Il est où Baqiyya? Et du fond de la mosquée, il disait, je suis là. Il leur disait, poussez-vous, faites-lui de la place. Viens. Et tout le monde se levait, tu vois. Il reculait. Il laissait la place. Regarde l'honneur qu'il lui faisait. Tu vois. Et il avançait la mosquée, il lui dit, assieds-toi ici. Il s'asseyait, tu vois. Les gens, ils étaient épatés. Pourquoi il lui donne tant de privilèges? Il leur dit, hada talibu ilm. Il leur dit, lui, c'est un étudiant de science. Lui, c'est un talib, tu vois. Et ben, quand Ahmed il dit ça à une personne, tout le monde était émerveillé, tout le monde il voulait le connaître. Enfin, t'es qui, toi? Tu t'appelles comment? Et il te connaît et tout, vraiment, et tu vois. Et donc, ça pour vous dire qu'Ahmed, il était trop respecté. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils lui disaient? Ils lui disaient, imam, t'as vu comment les gens, ils parlent de toi? Il y a un hadith dans lequel le Messie dit bah, quand le croyant il reçoit des éloges, c'est une annonce, on va dire, anticipée que Allah il est satisfait de lui. Parce qu'on sait dans le hadith, quand Allah il aime quelqu'un, il appelle Jibril, il lui dit j'aime un tel, aime-le. L'ange Gabriel il va l'aimer. Puis l'ange Gabriel à son tour il va appeler les habitants des cieux, il va leur dire Inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbu. Allah il aime un tel, aimez-le. Les habitants des cieux ils vont l'aimer. Et puis yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Puis l'acceptation lui sera posée sur terre. Dans Sahih Muslim, il y avait un affaire comme ça où quand Amr ibn al-Aziz il est arrivé, tout le monde commençait à le regarder. Il y en a, il a dit à son père, inni ara anna Allah yuhibbu hadha ar-rajul. Je vois que Allah il aime cet homme. Il lui dit comment tu le sais? Il lui a dit parce qu'il a placé son amour dans le cœur des gens pieux. Et bien, on disait ça à l'imam Ahmed. On lui disait, t'as vu comment les gens ils t'aiment, etc. Certainement, ça doit. C'est un signe de bien. Qu'est-ce qu'il leur disait? La'allahu istidraj. La'allahu istidraj. Il se peut que c'est une punition graduelle. Tellement il était méfiant. Vous connaissez la punition graduelle? Wa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi matin. Ahmed ibn Hanbal, à la fin de sa. Lors de l'agonie, Abdullah, son fils, qui est un savant aussi, il rapporte ce témoignage. Il dit quand son père était dans l'agonie, il s'évanouissait un coup, il se réveillait un coup. Et Abdullah lui disait papa, dis la ilaha illallah. Son père, il lui dit non, pas encore. Non, pas encore. Tu vois. Et Abdullah, ça l'a choqué, tu vois. Quand Ahmed, il a repris ses esprits. Il dit, ah petit, pourquoi quand je te dis, tu me dis non, pas encore? Il lui dit, c'est pas à toi que je parlais. Il lui a dit, Satan, il est venu me voir. Et il m'a dit, Ahmed, tu m'as échappé. Tu m'as échappé. Je lui dis, non, pas encore. Non, pas encore. Et je suis pas encore mort. Tu vois? Parce qu'il y a un hadith, il dit que Satan, il viendra vers la fin de ta vie pour tenter, hein? Une dernière fois de t'égarer, tu vois, une dernière tentative, tu vois. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, l'ulama ils en parlent, que avant de quitter, avant que ton âme elle sorte, il va mettre son dernier souffle, tu vois, entre parenthèses, chercher à
à ôter la foi de ton cœur, afin que tu ne rencontres pas ton Seigneur en pleine soumission. Donc, ça pour vous dire, hein, mes frères, que wallah, ce sujet-là, wallah, il faut le prendre au sérieux. Tu vois. Et wallah, vous allez vous rendre compte que véritablement, que souvent, malheureusement, c'est triste, hein, mais il y a des personnes, et tu remarques que dans leur discours, dans leur da'wa, dans leur lecture, même dans la manière d'éduquer leurs enfants, ils ne mettent pas l'accent sur ces sujets-là. On est plus sur le formel, l'aspect extérieur. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Regardez même dans notre approche de la prière, quand quelqu'un te dit « Viens, apprends-moi la prière », on insiste plus sur il te dit « Mais comment je dois bouger mon doigt ?» Il y en a même, c'est un truc, tu vois, qui les intrigue énormément. Mais comment ? Je vois des gens, ils bougent son doigt comme ça, tu vois ? C'est bien de s'intéresser à ça. Mais quand tu t'intéresses sur le sujet, vraiment, quand tu rentres, tu sais, parce que nous, quand on commençait au début, moi, je parle de moi personnellement, quand on voyait, par exemple, les Shibani, ils faisaient comme ça, on disait, ils connaissent pas la Sunna, ces gens-là. Parce que nous, on avait lu, c'est votre Salat Cheikh Al-Albani, ils disaient que la Sunna, c'est quoi ? C'est que ton doigt, il est pointé devant, et que tu dois le secouer rapidement. Mais après, le Wahed, quand, tu vois, il recherche un peu plus, et il voit justement. Pourquoi est-ce que les Shibani faisaient comme ça ? Et qui s'intéresse, qu'ils voient chez les Maliki, par exemple, ce que l'imam Malik disait, ce que Shafi'i disait, ces gens-là, entre eux et le prophète Lama, il y avait même pas un siècle, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et tu vois leurs arguments, tu dis, ah ouais, quand même, ça veut dire c'est possible comme ça, c'est possible tu bouges pas, c'est possible, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est vraiment, tu vois que c'est une mes'ala fiqhiya, elle n'est pas tranchée, quoi. Tu peux pas prétendre avoir la vérité avec toi. Parce que lorsque tu vas prendre les livres d'El Malikiya, nous, c'est moi je veux dire personnellement, et ça t'apprend à l'humilité, tu vois. On les voyait par exemple quand ils terminaient la prière obligatoire, pour faire la prière Nafila, ils changeaient de place. Mais pourquoi ils changent de place et tout ? Tu sais, pour nous c'était des trucs, ouais, ça c'est les bid'a ça. Ils suivent les bid'a, tu vois. Tu sais, quand t'es prétentieux, tu crois tout connaître parce que t'as lu un livre, hein, ils suivent les bid'a. Mais mesquine, parce que t'es un jahil, tu connais rien. Tu connais pas le patrimoine, tu connais pas Rasoul al-Fiqh, tu connais pas le mazahib. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc t'es prétentieux, ou tu vois des gens, ils lèvent pas leurs mains. Et après, quelques temps après, tu vois qu'Omar ibn Khattab, il priait sans lever les mains, tu vois. Tu dis, attends, calme-toi, Khoya. Calme-toi, aie un peu de modestie, d'humilité. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ne va pas, ne rentre pas dans la récré des grands. Toi, t'es un muqallid, t'as suivi aveuglement un shir, c'est bien. C'est ton droit, tu vois, c'est ton droit. Mais aussi, eux, c'est leur droit de suivre un imam qui n'est pas de ton époque, qui est de l'époque des pieux prédécesseurs et qui est une référence dans le domaine. Et que même les savants contemporains, ils n'oseraient pas se comparer aux anciens dans le ilm. Tu vois ce que je veux dire ? C'est évident, quoi, c'est évident. Que la science des premiers... Hein, ils avaient accès à des sources, ils avaient la pureté de la langue, ils avaient même des ouvrages que nous, on n'a pas aujourd'hui. Que nous, on n'a pas aujourd'hui. Toi, Malik, il te dit, Nafi'i m'a dit, qu'Ibn Omar, il lui a dit, que le prophète, il a dit. T'imagines ? C'est deux personnes. Il te dit, Nafi'i m'a dit, qu'Ibn Omar a entendu le prophète dire. Malik, il vivait à midi. Il a vu des gens, leurs parents, c'était des sahaba. Subhanallah l'azim. Mouhim. Tout ça pour dire que quand on apprend la prière, on enseigne la prière, t'as vu, on insiste beaucoup sur les mouvements, sur la gesticulation corporelle, mais peu de gens s'intéressent réellement l'oub salat. L'oub, le noyau, le... Tu vois, la salat, qui est le khushu, le recueillement, tu vois, comprendre la signification de attahiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ma'na hadhihi al-kalimat? Quel sens donnes-tu à ces propos? سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت. هذه الكلمات ces paroles là que nous répétons quotidiennement, quelle signification avons-nous donné à ces mots? Et si on connaît la signification, quelle richesse avons-nous donné à notre cœur pour qu'il puisse réagir lorsqu'il mentionne ces mots-là? Vous savez, parfois, quelqu'un que tu aimes beaucoup, je te donne son nom, tes larmes commencent à couler. Parfois, tu sens une odeur. Ça me rappelle ma grand-mère, Allah yarhamha. Cette odeur-là. Tu vois, souvent, on a ça dans la vie, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a une odeur, une information. Il y a quelque chose qui surgit chez toi. Tu es submergé par une émotion extrêmement intense. Parce que telle parole, telle vision, telle odeur, elle te rappelle quelque chose de très important dans ta vie, tu vois. Quelque chose de très, très émotionnel, très important. C'est vrai, c'est pas vrai? Parce que tu as vécu quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui t'a marqué, qui est gravé dans ton âme, subhanallah al-azim. C'est gravé dans l'âme, tu vois ce que je veux dire? Quand moi je dis Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il y a? Quand je dis le Fatiha, quand je dis subhanallah rabbi al-azim. Et ça, tout ça, c'est quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de mon cœur, de quoi il est imprégné. Toi, en tant que musulman, quand je te dis Allahu Akbar, tu as une... Tu vas voir un non-musulman, tu lui dis Allahu Akbar, il pense directement aux médias, les attentats, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, lui, dans sa vie, il entend Allahu Akbar, c'est quand il y a un attentat. Toi, c'est un truc qui ne te traverse pas l'esprit. C'est-à-dire que tu es à la mosquée où tu entends un frère dire Allahu Akbar, immédiatement, pour toi, c'est Allahu Akbar, Allah est le plus grand, c'est quelque chose que tu répètes tout le temps, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu vis dans ce sens-là. Mais sache que même dans les musulmans, l'appréciation de Allahu Akbar n'est pas la même chez tout le monde. Parce que l'iman darajat, comme il dit l'Auza'i, la foi, elle peut augmenter jusqu'à dépasser les sommets des montagnes. Et elle peut baisser jusqu'à devenir comme le grain d'un moutarde, d'une moutarde. Donc, c'est pour ça que je disais que quoi? Je disais que, en fait, les maladies du cœur, elles sont tellement cachées que celui qui est contaminé, il ne se rend pas compte. Il parle des jaloux, c'est le premier jaloux. Il parle des avares, c'est le premier avare. Il est en train de critiquer. Il dit, t'as vu? T'as vu, il y a des frères, comment ils divorcent leur femme, frère? Est-ce qu'un homme, il fait ça? Eh, le jour, lui, ça lui arrive, il fait pire. Combien de fois t'entends des gens dire certaines choses, hein, dire, ouais, t'as vu ce mec-là, là? Une épreuve comme ça, regarde comment il se comporte. Le mec, il a eu une maladie. Hey, ils sont faibles, les gens, laisse tomber. Quelques années après, tu vois, ça tombe sur lui. Et quand tu regardes sa réaction, tu dis, subhanallah al-azim, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. C'est lui qui disait ça il y a 2 ans. C'est vrai ou pas? Ça, c'est des trucs réels, ça. C'est réel. Des gens comme ça, ils voient quelqu'un, il est malade, ils disent, mais sois souya courageux, khoya, radin, souya, khoya. C'est pas facile, mais hein, sois un peu digne. D'accord, mais attends, on va... C'est pourquoi les salafs, ils avaient très très peur de ça, là. J'ai aimé Sami Amiri. Sami Amiri, c'est un chercheur contemporain, un égyptien. Mashallah, il a des livres exceptionnels, tu vois. Des livres exceptionnels. Il a beaucoup écrit sur Radd ala al-Mulhidin. Il a un livre... لماذا يطلب الله من البشر عبادته براهين النبوة أدلة وجود الله tu vois il a حقائق العلم vraiment il a des écrits mais très très intéressant. Il a écrit un livre qui s'appelle مشكلة الشر, le problème du mal. Franchement, c'est un livre magnifique dans lequel justement il expose la problématique du mal, un peu comme hier on avait évoqué d'une manière succincte, mais lui vraiment il a détaillé le sujet. Et tout ça justement pour déconstruire ces idées très présentes dans l'idéologie de l'athéisme qui justement prennent
ou justifient justement la présence du mal pour nier, pour défendre leur dogme. Muhim. Il y a quelque temps, moi son livre, je l'avais lu, après quelque temps, je vois sur un post, sur Facebook, sur son compte, il écrit le message suivant. Après ce message, je l'ai pris et je l'ai noté dans le livre. Tellement ça m'a marqué, tu vois. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, depuis que j'ai écrit mon livre, Mosquée la Toucha, et j'appréhende l'épreuve qu'Allah va m'envoyer. Parce que là, la théorie, tu as écrit avec une belle plume, très éloquente, tu as cité des arguments. Il dit, depuis que je l'ai écrit, j'appréhendais le moment où Allah va me mettre à l'épreuve. Tu as dit ça, maintenant il y a l'épreuve qui va venir. Tu dis aux gens, les frères, patientez, soyez dans le dîn. Mais ton tour, il va arriver, khouya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Il dit, ma fille, elle tombe malade. Une méningite. Ils ont diagnostiqué une méningite. Il a été pris d'une stupeur, d'une souffrance. Mais vraiment, il a dit, immédiatement. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce livre-là. Comment tu vas réagir, Yassine? Voilà. Et il a dit après les examens, alhamdoulilah, elle n'était pas bactérienne. C'est pas une méningite bactérienne. Donc elle n'était pas vraiment fatale et dangereuse. Et sa fille, alhamdoulilah, elle a survécu. Mais il a dit, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que tu vois, j'appréhendais le moment où Allah allait m'éprouver. Et ça, c'est parce que ça, c'est tiré de l'attitude des salafs. Ibn Mas'ud disait, لو سخرت من كلب لخشيت أن يحولني الله كلبا. Si je me moque d'un chien, j'aurais peur que Allah me transforme en chien. Parfois, il y a des personnes qui ont une facilité à tenir certains discours, mais Allah va t'éprouver. Et est-ce que tu seras à la hauteur? Ce que tu disais, parce que la valeur d'un homme, elle n'est pas selon ce qu'il dit, hein, parce qu'on sait tous dire des belles choses, etc., n'est-ce pas? Mais la valeur d'un homme, mes frères, sa piété, sa pratique, ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. Et donc comme je l'ai dit, ces maladies du cœur sont tellement subtiles que parfois, c'est des événements de la vie. C'est pourquoi parfois tu trouves des musulmans, khoya, des musulmans, lorsqu'il arrive un truc de fou dans sa vie, il insulte Allah, Rabbil Alamin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est incroyable que quelqu'un il arrive à ce stade-là, qu'il est tellement énervé qu'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi parmi les bienfaits de l'épreuve, c'est que l'épreuve, elle te permet de faire quoi? Elle te permet de mesurer qui tu es réellement. Tu as vu quand les fabricants, quand ils font un téléphone portable par exemple, ou une voiture, avant de le mettre sur le commerce, qu'est-ce qu'ils font? Avant de le commercialiser, hein? Il faut l'essayer, c'est vrai ou pas? Et ils le mettent dans des situations extrêmes, la chaleur, le froid, etc. Avant de le commercialiser, il faut vraiment le tester. Parce que tu peux pas prétendre, tu peux pas dire, moi, ce téléphone-là, vous inquiétez pas, il est de bonne qualité. Et il n'a pas été soumis à un examen minutieux. Donc, en fait, c'est là le bienfait des épreuves. C'est que tu peux dire que tu es un vrai croyant, que tu as de la patience, tu es généreux. Mais la vérité, c'est quoi? On va le voir sur le terrain. Sur le terrain. Comme un frère, Allah yarahmou, rahmatullah alayh. Le frère, j'ai écouté le frère prédicateur Rachid Haddesh, le frère belge, Allah yarahmou. Il disait quoi? C'est un prédicateur, il faisait da'wah, etc. Et à chaque fois, il dit, pendant les discours, il parlait des mariages mixtes. Alors, il disait, écoutez, que nous, l'homme, c'est par rapport à sa piété. Par rapport à sa piété, tu vois. Qu'il soit noir, qu'il soit converti. Il dit, il y avait quelqu'un qui est venu demander sa fille. Et c'était un converti, etc. Et il a dit, là, regarde, là, ça m'a touché. Parce que lui, ça ne s'attendait pas à ça. Il dit, maintenant, c'est la pratique, tu vois.
Il dit, moi, je parlais aux gens, etc., etc. Maintenant, ça m'est arrivé. Donc, tu peux pas, toi, tenir un discours, tu dis aux gens une chose, et après, quand ça touche, tu vois. Et c'est là où, justement, il parlait de l'importance d'être, on va dire, en accord avec ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que parfois, quand tu dis ça, tu dis, mais franchement, les frères, c'est quoi ça? Demain, toi, ta soeur, elle vient te dire, je vais marier avec un Sénégalais, un Malien. Tu vas lui dire quoi? Parce qu'il y en a dans le discours, on est tous frères, on est ikhwah, tu vois, le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Mais t'as des gens, chez certains maghrébins, il y a la jahiliya de... T'as avant les arabes, là, avant l'islam, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Pour te dire qu'entre eux, les propos et la pratique, parfois tu vois un écart. Parce que ces maladies-là, elles sont dissimulées. Et d'où justement l'importance de l'muhasaba, de l'autocritique. يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Regardez l'importance de ce sujet. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans un hadith très connu il dit ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Dans le corps il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. De là, Abu Huraira, il a dit cette belle parole, il a dit « Al-qalbu malikun wal-a'da'u junuduhu » Le cœur, c'est le roi. Le cœur, c'est le roi. Et les membres sont les soldats. « Al-qalbu malikun wal-a'da'u junuduhu » Il dit pourquoi d'ailleurs, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a éduqué les sahaba, ils ont été éduqués comme ça les sahaba. Ils ont été d'abord éduqués à réformer leur cœur. Regardez Aïcha ce qu'elle nous dit dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Innama nazala awwala ma nazala minhu, yani min al-Qur'an, suratun min al-mufassal, fiha dhikrul jannati wa an-nar. Les premières sourates que recevait le prophète Salama, les musulmans en général, donc c'était des versets de Mufassal. Le Mufassal, c'est de Qaf jusqu'à Nas, dans laquelle il y a la mention du paradis et de l'enfer. Elle dit حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام حتى إذا ثاب الناس. Lorsque les gens ils ont adhéré à l'islam, alors Allah il a révélé le halal et le haram. Regardez ce qu'elle dit à Aïcha. Elle dit ولو نزل أول شيء. Ici les premiers versets étaient لا تشرب الخمر. Ne buvez pas d'alcool. Les Arabes auraient dit on peut pas arrêter l'alcool. La taznu, ne commettez pas l'adultère, ils auraient dit la nadaru zina abada, on ne délaisserait pas zina. Mais ce qu'il y a, c'est que les premiers versets qui ont été révélés visaient d'abord à réformer leur cœur, à d'abord développer la foi. Et pour ça, je vous ai dit tout à l'heure que nous, la relation qu'on a même dans l'éducation de nos enfants, elle est défaillante. T'as quelqu'un qui n'a jamais parlé d'Allah à ses enfants, de leur faire connaître Allah, de développer l'amour d'Allah, tu sais, de faire un travail justement. Et après, lorsqu'elle arrive 20 ans, 25 ans, il lui dit il faut que je marie avec un musulman. Toi, ça fait 20 ans, t'es en train de dormir, t'as rien fait. Et après, le jour où elle prend un nom musulman, tu dis mais comment ça se fait? Mais d'abord, est-ce qu'elle est musulmane déjà? Est-ce qu'elle déjà est musulmane? Est-ce qu'elle est convaincue par l'islam déjà? Est-ce qu'elle comprend c'est quoi l'islam? Tu vois, t'as des gens, ils font rien. Aucun travail spirituel, etc. Et quand l'enfant il arrive à 15 ans, 16 ans, 17 ans, il donne des ordres et il s'étonne pourquoi il répond pas. Mais elle est où tarbiya? La manière d'éduquer. Tu vois, d'éduquer, c'est comme ça? Voilà, c'est pas que nous, comme je dis, c'est une question de priorité. Tu sais, moi, il y a un exemple qui me frappe, qui me vient en tête, tu vois. Qui montre vraiment c'est quoi tes priorités, tu vois. Qui te montre vraiment c'est quoi tes priorités.
quand tu vois quelqu'un, par exemple, quand il se marie, déjà, les critères de son choix, tu vois, ça montre c'est quoi ses priorités. C'est, oh, bah, ce que t'en as, c'est que le physique, l'argent. Et quand il a, par exemple, il rentre à la maison. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Tu rentres à la maison. Le soir, tu es fatigué après le boulot, etc. Il y a option A, option B. Option A, ta femme, elle s'est occupée des enfants. Masha'Allah, à l'arabe, ils ont récité leur surat, ils ont fait leur salat, ils ont fait leur devoir, la lecture, etc. Vraiment sur ça, tu vois, ça a été fait. Mais elle n'a pas eu le temps de faire à manger. Ça, c'est option A. Option B, elle a fait à manger, Masha'Allah. Tu rentres, la table, elle est garnie, khoya. Ma ladha wa tab. Hein? Mais les enfants toute la journée devant la play, devant la télé. Alors qu'est-ce qui t'énerve le plus? Sérieusement. T'as vu quand tu commences à chauffer là, quand les gaz là ils sortent des oreilles, tu vois. C'est quoi qui t'énerve le plus? Eh ben tu vois, chacun il connaît la suite. C'est ce que tu vois. T'en as. Mais ben le boilou, les enfants, salat, après le salat. Qu'est-ce que vache? Un âge, je travaille tout. Et maintenant, faut que j'aille acheter un grec en plus. Hein? J'ai mangé, c'est une chose de barra. J'ai ça, une chose de barra. Tu vois ce qu'il veut dire, Baba? C'est ça les priorités, Khoya. T'as des gens, Khoya, la priorité chez lui. C'est Tarbiya, Khoya. C'est un projet qu'il a. Je suis prêt à faire des sacrifices pour ce projet-là. Bina ul insan. Moi, je connais des frères, ils prennent pour leurs enfants des profs 30-40 euros l'heure. Pas tout le monde qui le fait. Hein. La plupart, ils ont des téléphones à 800 euros, 900 euros. Tu vois ce que je veux dire, bah. Mais quelqu'un qui met 30 euros, 40 euros l'heure, il paye un prof 30-40 euros l'heure pour son fils. C'est que moi, pour moi, celui-là, vraiment, il s'est donné un objectif, tu vois. Ou quelqu'un, par exemple. Moi, je connais un frère, c'est un médecin. Dans son hôpital, il y a la guerre pour avoir les gardes, parce que c'est bien payé, tu vois. Et lui, c'est un des seuls. Il me dit, moi, ma priorité, c'est dormir avec mes enfants, frère. Quand j'en fais une, c'est que vraiment, j'ai pas le choix, tu vois. Et que vraiment, là, j'étais obligé. Mais t'as des gens, la priorité pour lui, c'est quoi? C'est, oh, il voit le gain, l'argent. Il va le week-end, allez, je suis là. Tu vois, oui, bien sûr. Ranina, bien sûr, madame. Mais quand vous avez un besoin, n'hésitez surtout pas. Je suis disponible. Même l'été. Ouais, l'été, tout le temps, disponible. Tiens, mais est-ce que je vais faire quelque chose avec mes enfants, tu vois? Faut qu'il y ait quand même une présence avec l'enfant. C'est-à-dire que, comme ça, moi, le jour où mon fils, je lui dis, prie, il va pas me regarder. Hey, t'es qui, toi? Pourquoi tu me dis ça? Tu vois ce que je veux dire, Oba? C'est comme si j'étais un étranger, tu vois ce que je veux dire, Oba? Mais quand toi, t'as développé un lien émotionnel, affectif avec ton fils, hein? Il a grandi avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Il donne même des secrets, même quand il fait des bêtises, il vient dehors parce qu'il connaît ta compassion, il sait que t'es son père, t'es là pour son bien, tu vois? Il fait une bêtise de fou, il vient t'en parler. Parce que tu as su développer avec lui ça. Tu vois ce que je veux dire? Et bah demain, tu lui dis, mon fils, prie, good luck. Abati, Inch'Allah, Abati, bien sûr, Abati, fais des doigts pour moi. Comme toi, je ferai, Inch'Allah. Hein? Je vais être comme mon père, il dit. Ça, oh là là. Ici, subhanallah, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Que, tu vois, c'est pas comme ça. C'est parfois, il y a des frères comme ça, il vient, il pose des questions. En fait, il veut que tu. C'est comme si il veut que tu lui donnes. La baguette magique, tu vas dire, Ahri, en fait, moi je cherche à apprendre le Coran, tu vois, j'arrive pas. Ahri, t'as pas une technique? Comme si ils pensent que ceux qui ont appris le Coran, ils ont trouvé une technique, tu vois. Parfois, il y en a qui disent, hey, il est bien ce Coran. Ah, c'est sûr, c'est parce qu'il a un Coran comme ça qu'il arrive à apprendre. Il y a les couleurs et tout. Et en fait, avec les couleurs, il arrive à identifier les thèmes des versets, tu vois. Tu sais, quand quelqu'un, il veut pas.
Il veut pas de takrar, tu vois, tu l'as dit 100 fois. Ça, c'est trop difficile, répéter le verset 100 fois. Non, il va essayer de dire, non, mais avoir un Coran aussi qui est grand, tu vois, avec les couleurs. Ou il va se dire, peut-être il a une technique. Khoya, la technique, Khoya, c'est que tu répètes. Tu répètes 50, 200, 300, 500 fois. Hatan, ça rentre dans la tête. Mais ça, un nefs, ça n'aime pas ça, un nefs, on est d'accord. L'ego, il n'aime pas ça. Dès même quand tu apprends le Coran, tu veux toujours apprendre, tu veux toujours avancer. Tu sais très bien que ce que tu as appris là, il a besoin de révision, mais réviser, tu vois, tu dis, oh, j'aimerais bien commencer Sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman, je suis pressé de la commencer. Tu vois ce que je veux dire, Oba? Mais réviser, c'est lourd pour un nefs, réviser. Parce que si tu connais déjà. Et donc, tu as besoin de quoi? De répéter plusieurs fois. C'est ça qui fait que tout le monde n'est pas hafid le Coran. Parce que tout le monde n'a pas cette patience. Tout le monde n'a pas cette capacité de tous les jours consacrer 30 minutes, une heure de révision tous les jours. C'est pourquoi tout le monde n'est pas hafid. Donc, la plupart des takalif shara'iyya, hiya mas'alat mujahada. En fait, c'est simple. Il y a un mot, c'est mujahada. C'est le combat intérieur. C'est un combat. Un combat. Se réveiller pour Al-Fajr, un combat. Baisser son regard, un combat. Ne pas faire de riba, un combat. Yannick, tu penses que ceux qui ont arrêté, c'était comme ça? Non. C'est. Regarde par exemple Saïd ibn Jubair. Il voulait arrêter la médisance. Il n'arrivait pas et tout. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme technique? Il a dit à chaque fois que je fais de la médisance, il a fait un vœu, never, je jeûne un jour. Donc dès qu'il y a la journée, à la fin de la journée, il commence à réfléchir. Ah, aujourd'hui j'ai parlé sur un tel, 3 jours, allez, je jeûne 3 jours. Il jeûne 3 jours. Et au bout d'un moment, tu vois, le jeûne est devenu facile pour lui. Donc quand parfois ça le démangeait, t'as vu, parfois t'es là dans une assise, et on parle de quelqu'un, et c'est ça, un truc, t'as envie de la sortir, tu vois. Il dit, allez, je vais jeûner. Mais il a remarqué qu'il n'a pas arrêté la riba. Alors il a dit, j'ai changé de stratégie. J'ai fait un vœu. À chaque fois que je parle sur quelqu'un, je donne un dinar. Un dinar, c'est une pièce en or. Il a dit, j'ai arrêté la riba. Je l'ai arrêté. Tu vois ce que je veux dire, Oba? Il a trouvé hein, l'astuce, la technique, pourquoi? Voilà. Regardez, je vais dire un exemple. Nous, pour le Jumu'ah, la plupart d'entre nous, on ne vient pas. Quand l'imam commence le khutbah, généralement, la plupart du temps, la mosquée n'était pas remplie. Avant le Covid, hein. Quand tu commences le khutbah, les gens, ils arrivent encore. Là, ils arrivent au dernier moment, tu vois. Il y en a même, ils arrivent pour l'iqama. Alors qu'on sait que le Jumu'ah, c'est une prière qui est importante. Et que celui qui vient à la première heure, c'est comme quelqu'un qui a donné en aumône un chameau. Celui qui vient à la deuxième heure, c'est comme ça qu'il a donné une vache. Celui qui est à la troisième heure, c'est comme ça qu'il a donné une poule. Celui qui vient à la quatrième heure, c'est comme ça qu'il a donné un œuf. Mais la plupart et tout, tu vas dire, ouais, j'aimerais bien, mais déjà, franchement, déjà, c'est difficile. Mais regarde là, comme ils l'auront fait, ils ferment la mosquée dès qu'elle est remplie, on ferme la mosquée. Mais là, tu viens à midi, frère, avant le dars, je vois les portes, elles sont déjà fermées, tu vois. La mosquée, elle est remplie. C'est qu'en fait, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Tu peux t'arranger pour venir 30 minutes en avance, 40 minutes en avance. C'est une question de juste, tu vois, d'une discipline, tu vois. Tout ça pour vous dire que, pareil, là, quand on parle du cœur, il n'y a pas une technique, il n'y a pas la baguette magique de dire, je vais manger un truc ou je vais faire un mouvement, ça y est, je vais voir le cœur, il est illuminé, rempli de foi et tout. C'est une mujahada. C'est vraiment un combat intérieur, tu vois. Et vraiment, et ça commence par justement se rendre compte et avoir conscience que le cœur est très important et que le cœur il est regardé par Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum. Allah ne regarde pas vos corps et vos richesses, il regarde vos cœurs et vos actions. Donc également, ce qu'il faut également se rendre compte, c'est que les bonnes actions, elles sont multipliées
en fonction de la bonté du cœur. Les bonnes actions, c'est multiplié de 10 jusqu'à 700. Comment on arrive aux 700? Et bien parmi l'asbab, parmi les facteurs qui font que l'ajr, il augmente, c'est quoi? C'est la piété de ton cœur, la sincérité de ton cœur, l'ikhlas. Et ce qui caractérise les cœurs notamment, c'est que il y a une corrélation entre les adorations du cœur. Par exemple, tu ne peux pas avoir un ikhlas si tu n'as pas la peur d'Allah. Ils sont liés. C'est-à-dire que les actes d'adoration du cœur, entre eux, ils sont liés, tu vois. Il y a une corrélation entre eux. Le tawakkul, avec la certitude, avec la bonne opinion d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, l'amour d'Allah, il ne peut pas être authentique s'il n'y a pas de crainte. Sinon, ça devient une gâterie, ça devient une adulation, ça devient de la prétention. Quelqu'un il dit, moi juste j'aime Allah, mais j'ai pas de crainte, j'ai pas de peur. Non, il faut qu'il y ait la crainte pour que l'amour soit authentique, pour que l'amour il soit authentique, tu vois. Et donc, sachez-le, le cœur a été créé, mes frères, pour qu'il s'oriente exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que le cœur s'orientera vers une créature, il va souffrir. Il sera prisonnier. Et donc, on va, Inch'Allah, on saura, durant ces séances-là, dans un premier temps, on parlera sur les maladies, parce qu'il faut d'abord épurer avant de développer. Tu vois, tahliya, l'épuration du cœur, extraire les maladies et après développer les vertus. Donc on commencera par parler des maladies du cœur, comme la jalousie, comme l'avarice, comme l'hypocrisie, comme...